Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour la famille, c'est Éric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Stéphane Bertinier, gérant et créateur du site Cisenior, le portail des jeunes actifs à la retraite. Dans la rubrique À vos agendas, côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Le Doudou. Je recevrai Mustapha Aouar, directeur fondateur de Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine, qui fête cette année les 20 ans du festival. Nous n'irons pas à Avignon. Dans la rubrique Invité, un artiste qui déborde d'énergie, auteur, compositeur, interprète, vous l'avez sûrement découvert dans The Voice, mais il est aussi le fondateur de l'association La Vallée des Artistes. Romain Régnier nous présentera son premier single, Partir pour partir, extrait de son album Pour l'amour de la vie qui sortira en octobre prochain. Chers auditeurs, si vous nous écoutez pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille Que faire des mômes, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdesmômes.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Stéphane Bertinier. Oui. Oui, bonjour Stéphane Bertinier. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Éric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Éric Couder. Vous êtes gérant et créateur du site Cisenior, le portail des jeunes actifs à la retraite. Si je vous invite à participer à la rubrique de Allô parlons jeunesse, ce n'est pas anodin, nous allons le comprendre dans quelques instants. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que Cisenior? Alors Cisenior, à l'origine, c'est un site d'emploi pour les personnes de 50 ans et plus, soit qui recherchent une activité professionnelle, soit qui sont déjà à la retraite et qui souhaitent compléter leurs revenus au niveau de la retraite professionnelle. De quel constat est née cette idée? Pourquoi avoir créé Cisenior? De par mon activité professionnelle précédente, j'avais pas mal de clients retraités et de clients chefs d'entreprise qui recherchaient des personnes avec des profils un peu différents, mais surtout, je me suis aperçu qu'il y avait possibilité de mettre en relation des recruteurs ou des chefs d'entreprise, ou même des particuliers avec effectivement des seniors. Oui. Parlons à présent maintenant des types de missions ou de jobs que vous proposez, et surtout ceux qui pourraient intéresser nos auditeurs, et plus particulièrement les familles, comme les gardes d'enfants par exemple. Oui, c'est vrai que l'idée par rapport aux particuliers notamment, c'est effectivement l'idée d'avoir développé le service pour la garde d'enfants. Ça, c'est venu un peu des gens qui m'entouraient aussi, parce que il y a toujours une difficulté, une problématique à ce niveau-là. Donc du coup, l'idée, c'était de dire, si vous avez autour de vous des personnes de 50 ans et plus, qui soit vont apporter une aide, et on en a pas mal sur le site d'ailleurs, soit des cours de soutien au niveau scolaire, de la garde d'enfants, Pour quelle raison embaucher un senior? Est-ce qu'il y a des avantages en particulier à le faire? Alors il y a quelques avantages qui sont notifiés justement dans les pages actualité sur le site. Il y a une demande de par l'expérience justement des seniors. Je pense qu'il y a eu un petit passage entre guillemets à vide sur la qualité des seniors et qu'aujourd'hui la plupart des chefs d'entreprise reviennent un petit peu. Très bien, je vous remercie Stéphane Bertinier, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Cisenior, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.senior.fr. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end. Comment les occuper pendant les vacances scolaires? Quelles activités leur faire faire après l'école? Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes? Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage
qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Informations sur www.babaplaya.com. Alors la famille, ma sélection cette semaine côté film à voir en famille au cinéma, Le Doudou, une comédie française de Philippe Méchelin et Julien Hervé avec Kad Merad, Malik Bentala et Guy Marchand entre autres. Michel a perdu le doudou de sa fille à l'aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employée à l'aéroport, y voit l'occasion de se faire un peu d'argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu, je vous propose de découvrir la bande-annonce. C'est quoi ça ? Perdu, doudou, récompense. Mon avis, il n'y a que dalle. Si le mec s'est fait chier à venir jusque-là, on va lui prendre un paquet d'osées. Regarde, voilà, il est là le doudou. T'es pas sérieux là ? Michel Barré, j'écoute. On l'a retrouvé, votre doudou. Quoi, déjà ? Par rapport à la récompense, comment on s'organise ? Je pensais à 100 euros ? 150, ça fait un compte-rond. Ah non, 150, ça fait pas un compte-rond. 100, ça fait un compte-rond. Bah, à Roissy, monsieur. C'est toi qui as retrouvé le doudou de ma fille ? Merci beaucoup. Plaisir, nous, à Roissy, quand on peut rendre service. Mais c'est pas le doudou de ma fille, ça ? Ça passe, hein ? C'est quoi, ces conneries ? Je peux peut-être vous aider à le retrouver. Sofiane. Michel, t'auras pas ton argent tant que j'ai pas le doudou de ma fille entre les mains, c'est clair ? Tu sais ce que c'est qu'un doudou ? C'est une peluche qui sent mauvais. Non, c'est un objet transitionnel qui permet à un enfant en situation de stress affectif de se sentir en sécurité. On est sur Wikipédia. Ma fille ne peut pas s'endormir sans son doudou. Le Doudou, un film à découvrir en salle. Je vous invite à venir partager votre avis sur le film Le Doudou dans le groupe Que faire des mômes sur Facebook. Dans quelques minutes, à la suite de Que faire des mômes, je recevrai Mustapha Aouar. Nous parlerons ensemble du festival Nous n'irons pas à Avignon et l'auteur, compositeur, interprète Romain Régnier nous présentera son premier single Partir pour partir, mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. J'ai sélectionné rien que pour vous un événement qui plaira sûrement à toute la famille, le festival Nous n'irons pas à Avignon. Pour nous en parler, je reçois son directeur fondateur, Mustapha Aouar. Bonjour Mustapha Aouar. Bonjour. Alors vous êtes directeur fondateur de Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine et vous fêtez cette année les 20 ans du festival Nous n'irons pas à Avignon. Avant de parler du festival lui-même et surtout du programme Jeune Public qui nous intéresse plus particulièrement, quelques mots sur le théâtre et son histoire. Eh bien, ça fait une vingtaine d'années maintenant que le théâtre existe. En fait, un peu plus, en 96, et la première édition de Nous n'irons pas à Avignon, c'est à l'été 99. Voilà. Oui. je regardais, nos bureaux sont situés sur ce site industriel riche de mémoire industrieuse dans l'ancienne Economa. Je regardais cette halle, je la voyais vide et je me suis dit, tiens, je vais proposer aux compagnies à la rentrée... où sont les compagnies ? Ben, elles sont à Avignon, certainement. Ben, voilà, je vais proposer aux compagnies de fonctionner 12 mois sur 12. C'est ce que nous faisons depuis. Et les compagnies sont prises d'enthousiasme pour cette initiative. Oui. Et ça a démarré sur les chapeaux de roue. Et ça a été formidable, une aventure formidable. Voilà. Le festival Nous n'irons pas à Avignon, c'est 21 compagnies, 87 représentations, 21 auteurs vivants, 17 créations et plus de 100 artistes qui vont se succéder. Quel est le programme cette année ? Alors, le programme adulte, mais surtout le programme enfant et jeune public hein, qui nous intéresse. Ben, je ferai une petite remarque avant de relever votre question et d'y répondre. C'est le nombre incroyable d'auteurs vivants. C'est-à-dire que nous sommes prêts à prendre tous les risques et nous prenons aussi les risques d'accueillir des créations et parce que c'est ce que nous faisons tout le long de l'année. Nous accompagnons des artistes dans leur projet artistique. Voilà pourquoi il y a autant d'auteurs et ça c'est ce qui nous occupe depuis 96. Oui. C'est-à-dire que nous publions des auteurs, on a dû publier 360 auteurs à peu près qui ont écrit in situ ici à l'occasion de différentes manifestations et notamment manifestations dédiées au jeune public. Le public qui nous intéresse et que nous avons envie de toucher, c'est tous les publics, c'est les parents, les grands-parents, les poussettes, les futurs spectateurs. On aime cette ambiance un peu décontractée, voilà. C'est pour ça que nous avons demandé aux artistes
comme premier critère d'avoir des spectacles qui n'excèdent pas les une heure, de manière à ce qu'on ait une grille horaire la plus simple possible, c'est-à-dire que les samedis, dimanches, par exemple, le premier spectacle est à 15h, le second à 16h, 17h, 18h, 19h, 21h. Et voilà, donc il y a des spectacles qui sont pour les tout petits, il y a des spectacles pour les un peu plus grands, et il y a des spectacles qui sont partageables entre grands et petits, et voilà, et c'est pour ça qu'on est un peu on aborde un peu toutes les techniques. Il faut savoir que lui, il s'appelle Gare au théâtre, mais s'appelle aussi fabrique d'objets artistiques en tout genre. Voilà. Alors, j'ai vu que le goûter était offert également, hein, aux enfants. Oui, absolument. Oui. C'est formidable, ça. Oui, le goûter est offert, et on essaie d'animer entre les spectacles, la cour, parce qu'on est sur un espace, un très très beau bâtiment construit en 1860, qui est un lieu de mémoire riche de mémoire industrieuse. Vraiment, le site est magnifique. Lorsque les Parisiens arrivent, puisqu'on est juste à côté de la ligne C du RER, eh bien, ils ont là le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est qu'il y a un horizon. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de... Et il y a une grande cour pavée, immense cour pavée, la plus grande cour pavée du Val-de-Marne. Et là, on essaie d'y poser des choses, des grignoteries culturelles, des rendez-vous inattendus, etc., entre les spectacles. Alors les enfants et les parents et les accompagnateurs peuvent rencontrer également les artistes et discuter. Ah ben c'est ça le principe, et ça c'est formidable, voilà, de pouvoir rencontrer la personne qu'on a eu l'occasion de découvrir sur le plateau dans l'heure qui a précédé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mieux réserver avant de venir ? C'est bien de réserver, comme ça on est sûr, surtout en semaine, parce qu'en semaine il y a des groupes d'enfants qui viennent au spectacle, c'est plus sûr. Et puis si vous ne réservez pas, vous prenez le risque d'avoir une salle complète, mais ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'il y a toujours, quand on vient ici à Gare au Théâtre, il y a toujours un spectacle qui est en train de se terminer et un autre qui commence. Donc on n'est jamais très loin d'un spectacle que l'on peut voir. C'est aussi pour ça le bonheur c'est ce qui caractérise le lieu depuis 20 ans, c'est ce goût immodéré pour les formes courtes, que lorsque les gens viennent les mains un peu dans les poches et puis arrivent pour voir un spectacle de danse et finissent par voir un spectacle de cirque, ou viennent voir un spectacle de cirque et voient un spectacle de clown. Pour le jeune public, quel est le tarif ? Le tarif unique est de 6 euros, mais il y a des tarifs avec un pass à 7 euros, il y a un pass bleu, 3 spectacles, enfin voilà, il y a des passes, voilà. Très bien. Mais pour une seule représentation, c'est 6 euros. 6 euros, oui. En tout cas, c'est un beau programme qui attend nos amis auditeurs. Mustapha Aouar, souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Je laisse de la surprise, de la découverte de ce lieu, de ce site, de ce qui va s'y produire. Et je pense que pour cette 20e édition, nous réserverons aussi quelques surprises. Ben, je vous remercie, Mustapha Aouar. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre attention. Nous n'irons pas à Avignon, le contre-estival à découvrir jusqu'au 22 juillet à Gare au Théâtre, à Vitry-sur-Seine. Informations et réservations sur www.gareautheatre.com. Si vous allez voir des spectacles en famille, venez nous en parler dans le groupe Facebook Que faire des mômes. Partagez vos affiches, vos photos. Votre opinion nous intéresse. À suivre dans Que faire des mômes, Romain Régnier, que vous avez sûrement découvert dans The Voice saison 6, grâce à sa version acoustique très personnelle de Christophe Maé. Il est où le bonheur ? L'auteur, compositeur et interprète nous présentera son premier single, Partir pour partir. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, coup de projecteur sur ce jeune auteur, compositeur, interprète né à Fréjus, qui s'inspire de son vécu et raconte ses aventures au travers de chansons accompagnées de son instrument de prédilection, la guitare. Avec un grain de voix particulier, puissant et groovy, parfois suave, qui se reconnaît dès les premières notes, Romain Régnier m'a accordé une interview dans laquelle il nous présente son premier single, Partir pour partir, extrait de son album Pour l'amour de la vie. Je vous propose de découvrir notre rencontre. Bonjour Romain Régnier. Salut Eric.
Alors vous êtes auteur, compositeur et interprète. Votre actualité, c'est un premier single, Partir pour partir, extrait de votre premier album, Pour l'amour de la vie, qui sortira en octobre prochain. Quelques mots sur l'album, que raconte ce titre ? Alors ce titre, déjà Partir pour partir, exprime déjà une envie d'évasion qui se trouve en chacun de nous. Et c'est surtout aussi ce premier titre qui fait que voilà, on part sur les routes, on part découvrir du pays, comme j'ai dit dans la chanson, découvrir des gens, aller à la rencontre des gens, et cela en camping-car. Et toute cette histoire est racontée dans cet album. On parle beaucoup d'aventures et il se passe plein de choses, beaucoup de choses positives. Il y a des moments où... on a des petites peines, des choses comme ça, mais c'est des choses qui font partie de la vie. Et j'essaie de les raconter en musique, tout simplement avec cet album, pour l'amour de la vie, justement, aimer la vie et tout ce qui nous attend derrière, que ce soit bon ou mauvais, quoi qu'il arrive, ça nous sert d'expérience. Donc il faut en faire quelque chose de beau, je pense, et en musique, c'est le mieux à faire. On parlera un peu plus tard de The Voice, parce que moi c'est là où je vous ai découvert pour la première fois. Et c'est vrai que j'ai lu dans votre dossier de presse, vous débordez d'énergie. C'est vrai, je l'avais déjà vu. Là je l'ai vu encore quand on s'est croisé quelques secondes avant cette interview. D'où vous vient cette énergie ? Bah je sais pas, ouais, c'est à fond, toujours être à fond. Mais je pense que c'est bien de toujours aller de l'avant et jamais reculer, donc toujours mettre un pas vers l'avant, voilà, jamais un pas vers l'arrière. Et si c'est un pas, deux pas, trois pas, voilà, le maximum de pas, avancer dans la vie tout simplement avec, comme je disais tout à l'heure, avec toutes les expériences qui vont nous arriver, aller tête baissée, on va dire, un petit peu, mais tout en regardant un petit peu ce qui se passe, mais ne pas avoir peur de la vie et de ce qui va nous arriver, voilà. C'est important pour vous de tout donner au public quand vous êtes sur scène ? Oui, il faut tout donner, c'est tout donner, rien abandonner, rien lâcher, comme disait Rocky d'ailleurs dans le film Rocky Balboa. Donc tout donner toujours. Quand on arrive sur scène, c'est un moment où, où on dégage nos émotions, donc on le fait avec une énergie artistique, et c'est ça qui donne une puissance finalement à nos émotions, et on peut réussir à toucher le public plus facilement, voilà, en dégageant un maximum d'énergie. Si on a une baisse d'énergie, ça se voit tout de suite. Voilà, c'est ça. Donc il faut toujours être au top, toujours, 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 toujours. Quels sont les thèmes que vous aimez aborder dans vos chansons ? Alors les thèmes sont ceux de la vie qui nous entoure. Donc déjà, sur le premier single, Partir pour partir, voilà un thème qui est de voyage, de partir, de la découverte des gens, parler aux gens, les rencontres, des relations aussi. Comme il y a une chanson qui s'appelle Mon ami avec un E, par exemple, c'est des filles que j'ai rencontrées sur ma route, avec qui je resterai ami car mon cœur est pris. Et je leur dis quand même que je les aime et que c'est un exemple, voilà, des personnes qu'on rencontre. Ou aussi des chansons comme Ne jamais rien lâcher, Ne jamais laisser tomber. C'était que chaque jour est une nouvelle chance, et qu'il faut, voilà, comme je le répète, ne jamais laisser tomber quoi qu'il nous arrive dans la vie. Donc c'est là-dessus, c'est tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est tout ce que j'ai envie de donner, quoi, voilà. Votre instrument de prédilection, c'est la guitare. Qu'est-ce que vous aimez dans cet instrument ? Alors la guitare, c'est une facilité pour moi, vu que je fais pas mal de shows en rue, donc des concerts de rue, assez improvisés comme ça. Là en ce moment je suis sur Paris et je joue du côté de Montmartre, qu'on connaît bien. Là-bas j'ai l'habitude de chanter la bohème par exemple, qui fait beaucoup réagir le public, donc c'est vraiment génial. Voilà, donc la guitare en fait c'est simple comme instrument, on l'apprend. Moi je me branche même pas dans la rue, j'y vais comme ça en total acoustique. Et voilà, j'aime jouer de ma guitare, que ce soit en percussion, ou que ce soit même en grattant les cordes, en solo. C'est un très bon instrument d'accompagnement pour le style de chanson que je mets en place. Votre voix a un grain particulier, hein, à la fois puissante, groovy, suave. Comment travaillez-vous votre voix ? Vous avez une technique ? Alors non, pas de technique forcément. Je vous avoue que je suis plutôt autodidacte. Et c'est vrai que j'ai appris à chanter, découvert que je savais chanter à 20 ans. À 20 ans pour moi c'était une découverte. Avant j'étais couvreur, donc sur les charpentes, sur les toitures, rien à voir. Et la musique c'était pas trop mon truc. Et d'un coup je me suis retrouvé dans une situation où la musique me faisait du bien, et j'ai appris comme ça, et j'ai vu que j'avais peut-être des possibilités de faire des choses. Et j'ai commencé donc, du coup, à écrire des textes, des choses que je faisais déjà avec ma mère, qui adore écrire aussi. Et du coup on écrit à deux sur n'importe quel thème. On aime écrire, écrire ce qui se passe dans la vie, ce qui nous passe dans le... Enfin, sur n'importe quel sujet en fait. Voilà, la musique c'est quelque chose qui m'aide. Voilà, qui m'aide. Ça m'aide à avancer, ça m'aide à me sentir vivant. Vous me parliez de votre maman, quel regard elle porte sur vous quand vous étiez à The Voice ? Qu'est-ce qu'elle a pensé ? Qu'est-ce qu'elle a ressenti ?
Ah bah c'est, je pense, de la fierté en tant que maman, c'est sûr. En plus, voilà, moi je vous le dis, c'est vrai que ma famille, c'est toute ma vie, et pour beaucoup de monde aussi, mais voilà, je vous parle personnellement, toute ma vie, et sans eux, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici, et je les remercierai toujours toute ma vie, et j'essaierai toujours d'être le meilleur des fils possible, même si c'est pas toujours facile, mais en tout cas, j'essaierai toujours pour les remercier à être le meilleur fils possible et leur montrer que je suis capable de faire de grandes choses grâce à tout ce qu'ils m'ont inculqué dans leur vie, quoi. Alors, on entend de la musique derrière, j'explique un petit peu à nos auditeurs parce que ce soir, vous êtes en spectacle, là, il y a les répétitions. Vous sentez comment avant de rentrer sur scène? Justement, c'est pas encore, c'est dans quelques heures. Là, vous avez répété, mais vous êtes comment, là? Ah bah super bien, parce que c'est vrai que quand on arrive dans des lieux comme là, l'Artichaut, il y a un accueil formidable, les gens sont super sympas, donc ce qui fait qu'on est dans une... On parle pas de pression, il se passe quelque chose, hein. On peut appeler ça la pression si vous voulez, mais c'est juste une excitation en fait, on est excité, il se passe quelque chose en nous, on sait qu'on va devoir se produire, on sait qu'on va devoir chanter, et c'est qu'on a envie, quoi. On a envie de courir, enfin moi personnellement j'ai envie de courir pour arriver sur scène, j'attends que ça. Voilà, j'attends que ça de chanter, et quand je suis sur scène j'ai plus envie de partir, alors c'est hyper compliqué, donc c'est pour ça que je chante cette chanson, partir pour me dire allez pars mon gars, c'est maintenant, il faut partir, donc voilà. Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Romain Régnier pour en savoir davantage sur sa carrière et son single Partir pour partir, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause, à tout de suite. Que faire des mômes, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. Romain Régnier est mon invité. Partir pour partir, c'est le titre de son premier single. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Alors, vous êtes un aventurier, vous me disiez tout à l'heure, c'est en traversant la France en camping-car, de ville en ville, que vous avez écrit les maquettes de votre premier album, Pour l'amour de la vie. Racontez-moi, vous avez traversé quelle ville? Toute la France? Ouais, j'ai fait une bonne partie de la France avec des fois des accompagnateurs, mais souvent la plupart du temps, je vous avoue, je suis plutôt solo. Je suis avec mon camping-car, ma guitare, et je suis bien sur la route. J'adore la route en fait, j'adore rouler. J'adore aller à des endroits magiques. Voilà, je me retrouve des fois en pleine nature, ou bien totalement en pleine ville, ou dans des montagnes, au bord de la plage par exemple, des moments formidables, se retrouver au bord de la plage tout seul, avec son camping-car, sa maison, se coucher la nuit avec une pleine lune qui reflète dans la mer, on voit juste les dunes de sable et on marche seul. Et c'est magnifique, c'est des moments privilégiés. Et ça, c'est cette vie-là en camping-car qui fait que... Voilà, on est toujours sur les routes et il n'y a jamais de routine. C'est Christophe Després qui signe les arrangements. Christophe Després qui est entre autres le compositeur du tube Les Démons de Minuit. Comment avez-vous travaillé ensemble? Alors, on va commencer par le commencement. Je me retrouve sur une date avec Will Barber, qui a fait aussi The Voice avec moi pendant la saison 6. Bon, donc on fait un concert, c'est génial, il y a 2-3 000 personnes, le truc c'est formidable, quoi, un super moment. Et moi je me prends le truc de me dire tiens je vais rester un petit peu là. Et du coup je reste un petit peu et j'étais un peu avec tout cet esprit de camping-car, tout ça. Donc pour laver les affaires, bon c'est un peu compliqué. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont compliquées quand même dans la vie en camping-car et qui peuvent être facilitées par des contacts qu'on a sur place. Donc je rencontre Yaya, qui est le percussionniste manager de Will Barber. Du coup, il me dit tiens, si tu veux faire tes lessives, n'hésite pas à venir chez moi. Donc je suis venu faire mes lessives chez lui, donc chez Christophe Baquet. Et à ce moment-là, je lui montre un peu des chansons pendant une petite soirée. Je lui montre que j'ai des chansons, tout ça. Je lui dis tiens, c'est intéressant, tout ça. Il me montre son home studio. Son un petit home studio, voilà. Et on commence à travailler là-dessus. Il me dit tiens, si tu veux enregistrer tes chansons, c'est cool. Donc j'enregistre les chansons. Christophe Baquet, surnommé Yaya, trouve que c'est plutôt pas mal et il décide d'envoyer un ami à lui, donc Christophe Després, sur Toulouse, qui a lui envoyé juste les chansons pour savoir ce qu'il en pensait. Donc il est directement, apparemment, Christophe Després, Christophe a surnommé Toff, a bien aimé. Et il s'est dit, tiens, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, parce que c'est quelqu'un qui a quand même l'oreille absolue, qui a une expérience, comme on le disait, qui a quand même composé le titre Les Démons de Minuit, entre autres, quoi. Donc ce qui fait qu'on a commencé à travailler ensemble, il a donné ses idées. Et ça a tout de suite fait, quoi, en fait. Il a eu envie de bosser dessus et du coup, voilà, il bosse maintenant sur le premier EP, l'album qui arrive. Alors certains de nos auditeurs vous ont découvert dans l'émission The Voice, saison 6, on en parlait tout à l'heure. Vous avez chanté en acoustique une version très personnelle de Il est où le bonheur de Christophe Maé. Quel souvenir en gardez-vous à la fois de The Voice et de cette interprétation? Alors déjà au niveau de The Voice, il faut le dire, c'est un moment magique. On arrive dans un endroit où tout le monde est aux petits soins pour vous, pour que vous sentiez bien. C'est une équipe formidable. J'ai adoré ce moment. C'est un moment que je me rappellerai toute ma vie.
C'est vraiment quelque chose qui m'a fait prendre confiance aussi en moi, par les équipes et la manière dont on travaille. Très très cool, hein. C'est vraiment très très cool. Faut pas se dire que The Voice, beaucoup de pression, tout ça, parce que c'est très très cool. Et après, bon, bien sûr, quand on arrive sur la scène de The Voice, c'est juste magique, quoi, parce qu'on sait qu'on y est, c'est le moment, on est là, on est sur le plateau, on a les pieds bien posés sur le plateau, on voit les couleurs, tout ce qui fait qu'on se rappelle qu'on est bien à ce moment-là ici. Même si au fond de nous, on sait pas trop où on est, parce qu'on est un peu perdu dans notre tête, tellement qu'on rêve, quoi. Donc on plane. Voilà, ce qui se passe en fait sur le moment où on se met à chanter, on plane, voilà, tout simplement. C'est vraiment, c'est planant. Et du coup, voilà, donc après ça a fait beaucoup de rencontres. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes après l'émission, qui faisaient partie de l'émission aussi dans l'équipe, quoi. Et aussi les autres talents avec qui j'ai créé des liens d'amitié qui sont maintenant à vie. Parce qu'on a vraiment rencontré maintenant des copains, des copines, et puis on s'amuse bien, on partage des concerts ensemble et c'est que du bonheur, quoi. Et l'interprétation, voilà, que du bonheur. Quand on se dit, c'est là, il est là le bonheur à un moment dans la chanson à la fin, parce que c'est vrai. C'est totalement improvisé, parce que je savais pas trop comment finir, je t'avoue. Même la chanson, je savais pas trop comment la prendre à la finalité. Je savais que j'allais faire quelque chose. C'était une semaine avant, hein, qu'on a décidé de faire celle-là, parce que, par rapport à mon association aussi avec les enfants, on va en venir peut-être après. Voilà, c'était une chanson qui me tenait à cœur. Pour montrer aux gens que le bonheur, des fois, il est pas très loin, il est juste là, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de le prendre en pleine main et avancer avec et à ne pas le refuser. C'est Florent Pagny, hein, votre coach, c'est ça? Oui, Florent Pagny, qui est d'ailleurs un type super. Ouais. Voilà, vraiment un type super, déjà beaucoup de professionnalisme et aussi une simplicité, tout simplement. Hein. C'est un garçon qui est là, un bonhomme. Hein. Un grand monsieur même, mais qui est là et qui vit le moment comme toi en fait. Hein. Il est content lui aussi d'être là. Donc voilà, tout se passe bien et merci à lui. Alors parlez-moi de l'aventure Black Shadow. Donc vous avez écrit les chansons pour la bande originale du film Mon âme par toi guérie de François Duperron. Alors oui, ça c'est encore une rencontre formidable qui restera peut-être une des rencontres la plus forte niveau émotion avec justement ce réalisateur François Duperron. Ça s'est passé d'une manière assez marrante. Ce qui m'appelle justement, donc j'ai une association qui s'appelle Laval des Artistes, que je préside dans le sud de la France, où on réunit des artistes pour des actions, des actions jeunesse ou des actions caritatives. On essaie de donner un chemin. Et voilà, ce réalisateur, François Duperron, me contacte pour connaître des artistes, pour tourner dans le film. Et donc je lui trouve certains artistes, tout ça. Et à un moment, il me dit, mais toi, tu chantes toi aussi apparemment, tu fais de la musique. Et j'ai dit oui. Et il me dit, t'as quelque chose à faire écouter? Moi, je lui ai dit non. Il me dit, bon, mais comment on fait? Alors moi, j'avais ma guitare. Je lui ai dit, viens, on va sur la plage avec ma guitare. Et puis je te chante les chansons que j'ai. Et puis tu me dis si ça te va. Il me dit, allez, c'est cool, on fait comme ça. Et du coup, je lui ai chanté les chansons, les premières chansons. Et là, d'un coup, il m'a arrêté. Il m'a dit, écoute, tes chansons, elles parlent exactement du film que je suis en train de monter. Et voilà, c'était fou. Et donc là, s'en est créé un lien, parce qu'en fait, finalement, lui, il avait écrit un scénario de son côté. Et moi, j'avais écrit des chansons et elles étaient faites pour s'allier. On s'est réunir et c'est pour ça que ça a créé un lien très très fort. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Romain Régnier. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Ricoudère. Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmômes.fr. Romain Régnier, mon invité, il m'a accordé une interview où il nous parle de son premier single Partir pour partir, extrait de son album Pour l'amour de la vie qui sortira en octobre prochain. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Alors vous avez également joué au cinéma dans Planétarium aux côtés de Nathalie Portman et Lily Rose Depp. Hein. Ça vous a amusé? Ah oui, c'était formidable ça aussi, c'était une expérience de fou. Hein. On s'est retrouvé là sur le lieu du tournage parce que comme toujours pareil avec mon association, on était là pour un peu organiser les choses, pour leur donner des coups de main et finalement la réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui est aussi super, qui est vraiment une femme très très ouverte et que j'adore, nous donne la possibilité de jouer dans le film, donc plusieurs scènes et dont une scène où je suis là avec ma guitare et avec Nathalie Portman et je suis en train de jouer cette scène avec Nathalie Portman, voilà, c'est complètement fou et voilà. Alors on en parlait depuis quelques instants, moi ça m'a bien sûr attiré plus particulièrement mon attention, vous allez comprendre pourquoi, puisque vous êtes fondateur de l'association La Vallée des Artistes. Alors quelques mots donc sur cette association. Alors l'association La Vallée des Artistes,
a pour but de développer, on va dire, les projets culturels qui se passent un peu partout, mais plus principalement dans la région PACA. Notre slogan, c'est pour la solidarité, le partage grâce à la force de l'art. C'est là justement le grand message, c'est de réunir des artistes, que ce soit musiciens, peintres, sculpteurs, comédiens, acteurs, enfin tout ce qui ramène à l'art, et d'organiser justement avec tous ces artistes des rencontres. Donc ça peut être des rencontres musicales, ça peut être juste des rencontres tout simplement pour parler, pour essayer avec des jeunes, parce qu'on s'est beaucoup tourné vers la jeunesse, de leur donner une voix à certains jeunes qui n'étaient pas perdus, mais qui se cherchaient un peu. Et du coup, bah, la musique, ça permet de se comprendre ses propres émotions. Et grâce voilà, à cette association, on a pu créer, je pense, une cinquantaine, peut-être même une centaine d'événements. On peut aller, voilà, il y a eu plus de 300 artistes qui ont participé aussi à ces événements. Donc c'était voilà, c'est la vallée des artistes, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur YouTube, Facebook. Il y a un documentaire, il y a des vidéos, reportages aussi. Il y a beaucoup de choses. Et c'est très très vaste. C'était voilà une envie de donner, tout simplement une envie de donner de son temps. Et c'était important parce que ça permettait de mélanger aussi les artistes, tout style confondu. Et ce qui fait que même eux, les artistes, pouvaient s'inspirer autrement que de rester dans leur bulle. Par exemple, un rocker reste avec des rockers, non. Un rocker peut se retrouver avec un jazzman ou un reggaeman et s'inspirer aussi de son style de musique et pouvoir apporter quelque chose à sa propre musique. En tout cas, c'est une très bonne idée. Partir pour partir, c'est le titre de votre premier single que nous allons écouter dans quelques instants. Quelle est la destination dont vous rêvez maintenant? Ah bah toujours la même, oui. Là, de toute façon, c'est avancer, tout simplement, partir pour partir. Voilà, c'est toujours pour partir. Je me vois pas rester à un endroit forcément. Je reste un petit temps et puis après je repars pour mieux revenir après. Donc c'est on restera sur ce concept là qui est de s'évader et d'évader nos envies, nos besoins, nos émotions par la musique. En tout cas, c'est comme ça que je le fais moi. Voilà, rencontrer des gens, c'est ce qu'il y a de plus formidable dans la vie. Voilà. Merci Romain Régnier, merci beaucoup. Merci Eric, c'est cool. Je décolle de décor en décor. Je découvre et j'éclos de ville en ville. J'en profite pour faire quelques détours, parler aux gens qui m'entourent tous les jours jusqu'à la nuit. Et dormir là où les gens veulent bien de moi. Le temps d'un séjour juste pour partir et pour partir et pour partir. Ça me défoule de parler, chanter à la foule, leur dire que je suis juste fou, fou mais en vie, fou de vous pour toujours vivre en folie, pour l'amour de la vie, vivre en folie. Oh, je veux juste partir pour être libre et vivre ma vie. Je m'envole vers d'autres mondes, tamponner mon passeport tant qu'il est encore temps que je voyage. Je veux toutes les images du monde, toutes les images du monde, toutes les images du monde, toutes les images du monde. Yeah.
Romain Régnier, Partir pour partir, dans Que faire des mômes, le premier single extrait de l'album Pour l'amour de la vie, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Stéphane Bertinier, gérant et créateur du site Cisenior, le portail des jeunes actifs à la retraite. Mustapha Aouar, directeur fondateur de Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine, ne manquez pas le festival, nous n'irons pas à Avignon. Et Romain Régnier pour son single Partir pour partir. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur quefairedesmoms.fr. Et enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que faire des mômes sur Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien, la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.